aujourd'hui, on va faire un dentifrice sec à partir d'argile et de bicarbonate de soude avec des huiles essentielles. Ce que vous allez avoir besoin, c'est de l'argile. Ici, moi, j'ai de l'argile verte que je vais prendre. On a besoin de 3 cuillères à soupe. Une. Deux. Ensuite, vous avez besoin d'une cuillère à café, à thé, de bicarbonate que vous allez incorporer à votre argile. C'est sûr que pour l'argile, vous pourriez prendre l'argile blanche. Il y en a plusieurs sortes. Fait que moi, en tout cas, j'avais de la verte. Le bicarbonate de soude, c'est la petite vache, c'est facile à trouver. Ensuite, vous brassez les ingrédients secs ensemble comme il faut. Et lorsque vous avez terminé de brasser, vous allez ajouter 8 gouttes d'huile essentielle. Moi, je mets menthe poivrée, mais vous pourriez mettre cannelle. Mais tout le temps des huiles essentielles qui vont être bonnes, vu que vous les mettez à l'intérieur. 5, 6, 7, 8. Et c'est tout. On ferme ça. Ça va vous prendre un pot hermétique. Parce que lorsque vous allez brasser vos dents, vous allez prendre votre brosse à dents humidifiée et vous allez la tremper là-dedans. Fait que lorsque vous avez terminé de brasser, alors en fin de compte, je vous dirais, vous pouvez mettre un petit peu plus d'huile essentielle si vous aimez ça, que ça sente plus fin. Fait que vous le glissez dans votre petit pot. Ça va durer longtemps parce que c'est hermétique, fait que ça m'empêche l'humidité de rentrer. Puis lorsque je vais en avoir besoin, je fais juste humidifier ma brosse à dents. Et le tour est fait, je brosse mes dents avec cette pâte à dents sèche à la menthe. Ensuite, vous scellez ça comme ça. Et vous indiquez pâte à dents à la menthe dessus votre petit pot. Puis c'est tout, c'est fait. Fait que je vous souhaite une belle journée. À bientôt!